Bonjour les amis, les abonnés, c'est Chris de Montpellier. Je vais vous faire un petit tour de l'élevage. Peut-être une des dernières vidéos hebdomadaires qui va symboliser la fin de saison de reproduction et le passage à la mue. Peut-être que j'espacerai après les vidéos. Vous me retrouverez peut-être pas toutes les semaines, mais bon, je vais essayer de vous tenir informé de l'évolution. Alors cette semaine, il y a eu pas mal de mouvements et de réorganisations dans la pièce. Donc je suis en train de réorganiser les cages. Je n'ai pas encore tout à fait fini, mais ça vient. Donc ça tarde un petit peu, c'est normal. Donc ça, c'est le dernier oiseau sorti du nid semaine dernière. Voilà, très très bel oiseau. Donc c'est du satiné jaune intensif, a priori. Donc porteur de rouge. Donc je pense que c'est une femelle, vu les notions de génétique que j'ai. Et je pense qu'elle va rester avec moi, celle-là. Donc voilà, peut-être avec une autre que je vais vous faire voir après. Donc je la laisse avec sa maman parce qu'elle réclame encore un peu à manger, mais je pense que je pourrais sevrer et donc redistribuer cette cage pour des jeunes 2024. C'est ce que j'ai marqué sur la petite étiquette. Là, je passe à la cage suivante. Ce sont tous mes jeunes qui étaient en volière, plus quelques-uns que j'ai regroupés. Alors, je suis désolé, il y a les baignoires qui sont un peu devant. Mais j'ai regroupé tous les jeunes satinés Isabelle qui sont ici, plus un qui est là en bas, qui est normalement un fond rouge, mais qui a un jaune très très intéressant, donc je vais le garder, je pense. Je sais pas si c'est un mâle ou une femelle encore. Je n'en ai pas beaucoup qui sifflent. Celui-là, là, le premier, là, le jaune intensif siffle. Il y en a un autre aussi qui siffle. Ah oui, là, très bel oiseau, le jaune, là, aussi. Donc, très très bel oiseau. Donc, celui-là ou celle-là, je pense que je vais le garder aussi. Donc, elle n'est pas bague fermée, parce que j'en avais plus. Donc, malgré la saison qui a été moyenne, ben, j'ai quand même utilisé mes 30 bagues, hein, quand même. Donc, voilà. Alors, en dessous, j'ai mes femelles qui ont participé à la reproduction cette année, que j'ai commencé à regrouper. Il y a donc celle-là qui les rejoindra la semaine prochaine, et elle, je vais en transférer sûrement quelques-uns de cette cage-là pour qu'il y ait une densité un peu moins grande fin de semaine prochaine. Voilà. Donc, aujourd'hui, ils ont eu de la perle morbide. Donc voilà, on voit ici les petits ramequins. Donc bien entendu, la volière ici, vous avez l'habitude de voir, est vide. J'ai toujours mes rouges en pleine mue pour la plupart d'entre eux. Il y en a qui commencent à avoir fini, le premier là au premier plan. Celui-là, il semble avoir fini, un beau rouge intensif. Donc la coloration marche bien. Et un autre très joli ici, qui est un mâle. Donc ça chamaille un petit peu, rien de grave, c'est normal. Le premier ici, premier plan là. C'est un mâle aussi. Donc, on commence à voir les effets de la coloration sur le satiné au fond là-bas. Voilà, elle est venue au premier plan, merci. Voilà, siffle pas, mais bon, la coloration commence à prendre. Je vais voir ce que ça va donner. C'est vraiment un essai. Donc, je vous rappelle, c'est le croisement entre cette femelle-là et le mâle qui doit être là. Le premier là. Voilà, qui est en train de perdre sa coloration, mais que j'ai remis en coloration, donc ça va revenir. Donc voilà. Donc on voit que ça commence à bien avancer au niveau de la mue. Vous voyez, typiquement, le premier qui est devant nous, là, vous voyez la tête hérissée, ça focus pas terrible, voilà. Donc là, c'est signe qu'on approche de la fin quand les plumes de la tête sont un peu hérissées comme ça, que les petits tubes blancs apparaissent. C'est signe de la fin. Les oiseaux qui muent, ils finissent toujours par la tête. Donc on va avoir pas mal de choix dans les coloris rouges. Vous avez un très bel ivoire ici. Vous avez de l'intensif ici. Il y a du chimel, le deuxième. Le premier sera un intensif. L'autre, on verra comment ça va évoluer. Par contre, il y a qui sont la béquille, celui à droite, ça n'a pas l'air de colorer beaucoup. Et il y en a un autre aussi qui est au fond là-bas. Pourtant, ils sont censés être porteurs de rouge puisqu'ils sont issus de ce papa-là. Voilà, donc il y a de la génétique rouge. Donc oui, je ne comprends pas trop comment ça se passe. Tant que j'y suis, donc ici, on a les mâles reproducteurs qui ont été regroupés. Donc eux, ils sont bien moches, hein, clairement. On est en plein milieu de la mue.
Celui-là un peu avancé, vous voyez sur la tête les petits tubes blancs. On commence à bien les voir sur celui-là. Voilà. Il est bien avancé par rapport aux autres. Voilà. Et au-dessus, on a les femelles rouges qu'on reproduit cette année. Voilà, j'ai un petit déficit de femelles, donc je vais en rajouter peut-être une ou deux, sûrement deux, pour en avoir six. Et il faudra que je rajoute ici, mettre un peu de sang neuf, vraisemblablement elle, et peut-être une autre un peu plus blanche. Je ne vais pas garder la jaune ici, mais peut-être, vous voyez, celle du fond là, ça c'est pas mal, ou celle qui est en bas là en train de manger les perles. Donc le plus clair possible, je vais essayer de trouver où celle-là, là. Non. On va essayer de voir ce qu'on peut faire pour agrandir le cheptel, où j'ai peut-être dans l'idée, il y a une bourse qui va arriver en automne dans mon coin, peut-être voir si je trouve d'autres types d'oiseaux satinés. Voilà. Donc ici, on a les mâles qui ont été regroupés aussi, il y en a quatre, là aussi il y a un petit déficit, donc on verra. Peut-être que je rachèterai deux couples pour carrément changer un peu les choses, peut-être un couple de satiné, un couple de rouge, avec peut-être une autre version de rouge. J'aime beaucoup les agatopales mosaïque rouge par exemple, donc à voir, je n'ai pas encore décidé, on verra comment ça évolue. Donc voilà, la mue bien avancée, les jeunes en coloration. Réorganisation des caches a été les grosses avancées de la semaine. Donc interrogation sur celui-là au niveau de la coloration, il ne se colore pas trop. Il y a l'autre aussi un peu en haut là-bas, au fond, qui ne se colore pas. Pourtant c'est son frangin à côté. Hein. Donc mais c'est quand même bizarre. Et là, celui-là aussi, il ne faut pas que j'oublie celle-là, peut-être de la garder, on verra. Ouais, celle-là. Et la deuxième aussi qui est assez sympa aussi. Donc, en train de prendre des bons tons. Donc c'est assez bizarre hein, quand même les effets de la génétique sur les oiseaux. Donc vous avez des frères et des sœurs, vous avez des croisements d'oiseaux qui sont censés être identiques et qui vous donnent des résultats complètement différents. Voilà, on va finir là-dessus en vous souhaitant un bon dimanche les amis. Bon courage à ceux qui comme moi vont reprendre le boulot la semaine prochaine, et oui, il faut s'y remettre. Et à bientôt pour de nouvelles aventures, peut-être pas la semaine prochaine, peut-être un peu plus tard, on verra en fonction de l'évolution. S'il y a des thèmes que vous voulez que j'évoque en termes d'alimentation, en termes de programme d'élevage, de nettoyage, de bain, de boissons, de nourriture, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires, posez vos questions, et surtout... n'hésitez pas à vous abonner, hein, ça reste gratuit comme je dis souvent. Et je vais finir là-dessus en vous souhaitant une bonne continuation dans tous vos élevages, une bonne période de mue suivie de période de repro, des bonnes ventes pour ceux qui vont en avoir à vendre comme moi. Alors moi, pour ceux qui sont intéressés, je commence à vendre que fin octobre, début novembre. Donc j'attends vraiment que la mue soit terminée pour que vous ayez accès à des oiseaux avec un plumage, on va dire, entre guillemets, propre. Et à peu près définitif. Voilà. Donc je sais qu'il y a déjà des gens qui m'ont demandé des oiseaux, donc n'hésitez pas à réactiver les contacts si vous avez besoin que je vous en mette de côté. Et puis voilà, donc pour moi, pas de vente avant la fin de la mue, c'est pas honnête, je dirais, si c'est fait et on voit pas bien les oiseaux. Et la mue, c'est une période délicate où on peut perdre des oiseaux. Et donc ça m'embête de vendre des oiseaux qui seraient mal en point et couverts par la mue et qui ne tiendraient pas quelques semaines dans vos élevages. Bon, les amis, ça sera tout pour aujourd'hui. Un gros coucou, gros WhatsApp et à très bientôt pour de nouvelles aventures de Canaries. Salut, salut, c'était Chris de Montpellier.